Salut tout le monde, c'est Eden et on se retrouve aujourd'hui pour un petit commentary, enfin vraiment petit, non je pense pas, mais je vais essayer de faire le plus court possible parce que je vous ai mis que deux gameplays de Code Online que j'ai tourné hier et d'un vieux gameplay avec plus de 40 kills je crois au sniper en MME sur BO2. Donc je vais pas essayer de faire trop long parce que deux gameplays c'est pas très long. Mais on va aujourd'hui parler de plusieurs choses que je devais vous dire depuis le temps et que je pense pas forcément dire dans les RTC ou dans toutes les vidéos que je fais. On va parler principalement aujourd'hui du RC Raid qui s'est lancé dimanche. Et le jour où je filme là, on est mardi, vous voyez la vidéo mercredi. Donc il a commencé dimanche. Pardon, et il devrait se terminer le 31, si j'ai bien compris, le 31 mars. Donc pour tous ceux qui savent pas ce que c'est un RC, c'est un recrutement challenge. C'est un recrutement, on met une sorte de clan tag, vous savez ce que c'est un clan tag, on met un nom devant notre GT et on rentre des clips pendant une période définie et on envoie une réponse avec tous les clips qu'on a rentrés, on les met tous dans une seule et même vidéo, les uns derrière les autres, et on l'envoie à la team concernée et les meilleurs seront gardés pour entrer dans cette team-là. Et la raid, pour ceux qui connaissent pas la raid, c'est la sorte de, bah, comme elle s'appelle, la raid réserve, c'est la réserve de la phase. Donc tous les grands joueurs qui ne sont pas encore dans la phase sont dans la raid. Et les meilleurs et leur progression et tout ça fera que peut-être ils rentreront dans la phase plus tard. C'est une plus grosse team que l'Iron, c'est clair. Et j'ai peut-être beaucoup moins de chances de rentrer dans cette team-là. Mais je le fais avant tout pour le fun aussi. Je rentrerai à des clips, je rentrerai pas de clips, c'est pas grave. J'essaierai de toute façon. Et il faut savoir aussi que je peux rentrer des clips avec Code Online sur Code Online. Alors du coup, je vais m'amuser un peu à jouer sur Code Online. Vous allez en voir quand même pas mal ces derniers temps. Enfin, ces prochains temps, je sais pas comment dire. Dans les prochaines vidéos, vous verrez du Code Online. Mais vous verrez du code online surtout en meilleure qualité que le dernier RTC que je vous ai fait parce que justement j'ai pas l'ordi pour le faire tourner en plus de la caméra, du rec pour la voix, la caméra, pour le jeu en lui-même, le logiciel pour baisser le ping et tout ça. Mon ordi supporte pas super tous les logiciels en même temps et c'est pour ça que je vais changer bientôt, d'ici peu j'espère, d'ordinateur. Je vais changer d'ordinateur, je vais avoir un ordi beaucoup plus puissant et je vais pouvoir vous faire des lives en meilleure qualité parce que les derniers lives que j'ai fait aussi, je sais que beaucoup se sont plaints de la qualité et qui était pas exceptionnelle, en plus de Mako qui buguait, tout ça, c'était pas possible. Donc mon ordi sera beaucoup plus puissant, la co sera nickel, il y aura plus de bugs, on pourra faire de la bonne qualité, il y aura beaucoup plus de lives. Donc je compterai sur vous pour que vous soyez là à chacun de mes lives. Je pourrais vous faire des vidéos en meilleure qualité, enfin en meilleure qualité, je pense que je fais la meilleure qualité pour l'instant de mes vidéos, donc je peux pas, on pourra pas faire plus quoi, mais dans tous les cas il y aura plus de lag et tout ça, et je pourrais vous filmer plusieurs jeux de PC parce que maintenant je pourrais les faire tourner en plus direct de la caméra et tout, je vais pouvoir vous faire tout ça sans lag, sans rien, donc ce sera tout bénef pour vous et pour moi aussi. Donc comme je vous ai dit, le RC Raid, je vais y participer pour le fun. Et j'espère en tout cas rentrer le maximum de clips et je compte sur vous pour le support et tout ça. Allez sur Twitter pour me supporter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me tweeter la photo que j'ai en photo de profil. I support Red Eden. Il y a Lucky aussi qui participe en tant qu'éditeur, donc allez le supporter aussi. Donc vous avez juste à nous tweeter cette photo-là avec un petit message de support, de tout ce que vous voulez. N'importe quel message nous fera plaisir de toute façon, même si, sauf si c'est suce-moi les boules, non ça va aller, hein. Mais tout message de support nous fera plaisir et même si on ne rentre pas dans la team Rennes, même s'il y a d'autres gens qui ont passé avant nous, on tente quand même, qui ne tente rien à rien comme on dit. On le fait pour le fun et puis on verra bien comment ça se passe. Mais dans tous les cas, je compte sur vous pour votre support et tout ça. Donc j'avais ça à vous dire. Je devais vous parler des lives, ça c'est fait. Les RTC, oui, le dernier RTC que je vous ai fait sur Code Online, que je vous ai dit, la qualité est pas super. Et je vous avais fait un format condensé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je vous avais demandé justement en commentaire de me dire ce que vous préfériez en condensé ou en format 1 heure comme je fais sans coupure, tout ça.
Et vous avez été quand même plusieurs à, bah justement, à me donner votre avis, et ça me fait plaisir que vous m'écoutiez, que vous me donniez votre avis justement, parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre si vraiment le condensé vous plaisait ou pas. Parce qu'il faut savoir que le condensé, c'était le premier que je faisais en tant que RTC, c'était le premier RTC format condensé que je faisais. Donc c'était une sorte de test, voir si ça vous plaisait ou pas, et j'ai vu que la majorité, une grosse majorité préférait les 1 heure, et ce qui m'a étonné d'ailleurs, parce que ça m'a quand même pris beaucoup de temps de faire un condensé de tout un RTC sur Code Online. Mais que je vois comme quoi les formats 1 heure sans forcément de gros montage vous plaît beaucoup plus, et c'est vrai quand même c'est plus long et vous voyez les déplacements, parce que beaucoup aussi m'ont dit que c'était important pour eux de voir les déplacements que j'ai et tout ça. Donc moi je vous le dis clairement, j'ai pas les déplacements les plus parfaits de sur code et tout ça. Au contraire, je suis premier à me critiquer au sujet de mes déplacements, parce que j'ai pas les meilleurs déplacements. C'est peut-être pour ça que beaucoup de fois je loupe des films. Mais beaucoup m'ont dit que c'était important pour eux de voir les déplacements que j'ai, voir où je me déplace sur la map, comment je regarde le drone, le radar et tout ça. Donc je comprends tout à fait. Donc les prochains RTC seront sur 1 heure. Et au moins je sais que maintenant les condensés c'est pas trop ce que vous préférez. Donc c'est tout bénef pour moi, et au moins vous m'avez dit ce que vous préférez. Donc tant mieux, au moins je saurai vous faire des vidéos qui vous plairont à l'avenir. Donc les RTC, les prochains RTC, de toute façon, là j'étais tout seul, donc c'est pour ça que j'étais tout seul. J'ai préféré le faire en condensé, parce que je pense que si j'avais laissé tout seul, avec tous les bugs et tout qu'il y a, que j'ai tout enlevé, que j'ai enlevé au montage, clairement je pense pas que vous auriez aimé la vidéo. Mais c'est pour ça aussi, c'est parce que j'étais tout seul que j'ai fait en condensé. Mais les prochains seront, comme d'habitude, avec Omno et Lucky, en format 1 heure. Donc j'espère que ça vous plaira les prochains. Donc, les RTC, j'en ai parlé, les lives, l'ordinateur, je vous en ai parlé. Il manquait quoi? Ah oui, la vidéo, là, quand vous voyez cette vidéo-là, on est mercredi ou demain, donc jeudi, il y aura une vidéo sur BF Hardline qui sort justement jeudi-là, et je compte sortir une vidéo le jour de sa sortie. Je sais pas si je vais faire une grosse vidéo, parce que je pense que je vais la filmer bah, justement le jour même, donc pour la sortir le soir même, je pense pas faire une grosse vidéo au niveau upload, parce que j'ai pas encore la fibre. Mais je vais faire, je pense, faire une petite vidéo de 15-20 minutes peut-être avec Tekilaz et Guillaume HD. Donc je sais pas encore si je la ferai tout seul avec eux, mais je pense que je vais la faire avec eux, parce qu'ils ont quand même pris le jeu, et je leur avais dit prenez le jeu, on fera une vidéo ensemble, et je vais en profiter justement pour faire cette vidéo, ces premiers gameplays avec eux. Comme ça sera plus marrant, et on verra, on essaiera de vous faire des trucs un peu marrants, et puis on Je vais vous, je vais, je pense que je vais faire un gameplay au sniper de toute façon, et eux, on verra bien comment ils jouent, et on va essayer de jouer ensemble. On va vous montrer les braquages et tout ça. Et franchement, moi qui ai testé la bêta, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Donc on sera sur Xbox One. Je sais que beaucoup de pro BF vont m'insulter et tout ça. Je sais que moi aussi, enfin, moi d'habitude, je joue aussi sur PC, sur BF. Mais celui-là, on a testé la bêta sur console, et on a vu que c'était vraiment un BF beaucoup plus arcade que BF4, et que il était vraiment kiffant sur console aussi, pour une fois qu'un BF est pas plus kiffant que sur PC, mais qui est presque équivalent sur console que sur PC. Franchement, j'ai pas envie de. Tant que j'ai pas mon ordi pour le faire tourner en plus du rack et tout ça, je préfère l'avoir sur Xbox One pour être sûr de pouvoir vous le rack avec le Elgato sans que ça lag. Comme ça, après, je verrai si je le prends sur PC, si je prends d'autres jeux sur PC, et quand j'aurai mon PC, croyez-moi que je prendrai d'autres jeux sur PC, et je pourrai les faire tourner en plus du rack. Donc j'essaierai de vous faire découvrir, comme une de mes séries est présente sur ma chaîne, la série Découverte. Je vous ferai découvrir des free-to-play, des petits jeux, des petits FPS, tout ça, peut-être sur PC, peut-être sur console. Je continue cette série-là. C'est vrai que c'est dur en ce moment de trouver des FPS assez convaincants qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que c'est pas ce qui court les rues, mais dès qu'il y en a un, au moins je le trouve, et je vous fais une découverte, je vous le fais découvrir en live. Donc je vais continuer ça. Donc la vidéo de BF sortira demain, à 17 h je pense, comme celle-ci aujourd'hui. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc moi je suis pressé en tout cas d'y jouer à ce jeu-là, parce que je l'ai préchargé, je l'ai précommandé. Et je vais essayer de faire mon mieux demain avec la team. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Samedi, il y a un nouveau RTC. Je vous avais dit MW2, c'est ça? Donc MW2, RTC, MW2 samedi.
Donc voilà, je pense à vous avoir tout dit, tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie de me rappeler s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Non, je pense pas. Bon, ah si, la fibre, bah je vous en ai parlé de la fibre vite fait, mais normalement je devrais avoir la fibre, donc ça va pas vous changer grand chose, mis à part pour les lives justement. Ceux qui aiment bien suivre mes lives quand il y en a. Grâce à la fibre, je l'aurai bientôt, d'ici peu, je sais pas exactement, on n'a pas de date, mais apparemment les travaux sont dans le quartier sont en cours, donc je devrais avoir la fibre d'ici très peu de temps. Donc dès que je l'ai, de toute façon je la tweeterai et je pourrai enfin faire des lives beaucoup beaucoup plus souvent, vraiment régulièrement. Et je compte sur vous pour être là à chaque fois et à me soutenir et être là justement pour profiter avec moi et pouvoir interagir avec moi, parce que c'est les lives, c'est vraiment le moment où on peut vraiment parler directement tous ensemble et je trouve que c'est plus convivial, plus familial et au moins on rigole plus en live et j'espère en tout cas que vous serez là et j'en ferai régulièrement, j'essaierai d'en faire beaucoup plus et en plus je pourrais vous le faire en grosse qualité avec la firme, donc plus le nouvel ordi, donc ça sera tout bénef pour vous et pour moi. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces informations vous feront plaisir et que les prochaines vidéos qui vont venir vous plairont. Je compte sur vous pour lâcher un like sur cette vidéo et pour être là et pour continuer à suivre ma chaîne parce que je compte sur vous. Je vois que vous êtes toujours aussi présent et il y a autant de likes sur mes vidéos. Je vois que les vues baissent un peu, mais aussi c'est par rapport aux périodes et tout ça. J'essaie de diversifier un peu, donc je sais que vous attendez massivement de Call of, mais j'essaie de faire aussi un peu plus de FPS en général. Donc dites-vous que beaucoup de choses vous plairont et d'autres vous plairont moins, mais sur ma chaîne j'essaie de faire un maximum de FPS, pas forcément du Call of. Donc j'espère en tout cas que beaucoup de gens comprendront ça et que vous continuerez à me soutenir malgré tout ça. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent toujours autant et vous plairont à l'avenir. Lâchez le petit like et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.